اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شهادة إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام. J'envoie le condoléance à tous les mu'minin, tous les azadaran Imam Hussein عليه أفضل الصلاة والسلام, et surtout mes condoléances à Imam Zaman عجل الله تعالى فرجه الشريف, notre douzième imam, et aussi tous les ulama, surtout Maraji Izam Ayatullah Al-Uzma, Al-Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, et aussi Qaid Al-Thawra Al-Islamiyya Rahbari Inqilab Islami Al-Sayyid Ali Al-Khamenei. À propos de Imam Alayhim Afdhul Salatu Wassalam, c'est clair pour nous tous qu'après Rasul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est les 12 imams qui sont venus pour remplacer notre saint prophète. À propos de ça, beaucoup de hadiths de la part de Rasul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ayat, ça c'est autre chose, mais les hadiths de la part de Rasul Khuda, c'est beaucoup de hadiths. Que Rasul Khuda, dans ces hadiths-là, il donne explication tout le temps. Par exemple, ces hadiths-là, Rasul Khuda a dit Al-A'immatu min ba'di ithna ashar, kulluhum min Quraysh. Hadith de la part de Rasul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Rasul Khuda a dit Al-A'immatu min ba'di, les imams, imams après moi. Ethna Achar, l'effectif de imam, Rasul Khuda, il prononce que l'imam après moi, c'est 12 personnes, pas plus et c'est pas moins aussi. Al-A'immatu min ba'di, ethna Achar, kulluhum min Quraysh. Tous les imams là, c'est devient de Quraysh. Ça c'est un hadith de la part du Rasul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans autre hadith aussi, Rasul Khuda, il amène le nom des 12 imams. Le nom des 12 imams. Commence par Amir al-Mu'minin jusqu'à Imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Et à propos de Imam Mahdi aussi, si on regarde le hadith de la part du Rasul Khuda, parle de Imam Mahdi, c'est beaucoup de hadiths, parce que beaucoup de gens ils disent que non, Imam Mahdi il n'était pas imam, tout ça, bon ça c'est parole, mais Rasul Khuda il amène beaucoup de hadiths à propos de Imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. De toute façon aujourd'hui c'est les
شهادت امام محمد باقر علیه السلام. محمد باقر son caractère c'est quoi? Imam Muhammad Baqir, c'est connu entre nous Baqirul Ilm. Parce que le nom c'est Muhammad ibn Ali. C'est ça le nom d'imam. Muhammad, c'est le fils de Ali Zainul Abidin. Mais le caractère de imam, le surnom de imam, c'est Baqirul Ilm. Baqirul Ilm, c'est lui qui donne tout le temps le savoir. Baqirul Ilm, c'est ça le sifat de imam. C'est pour cela, si vous voyez notre hadith, elle est presque le hadith dans notre livre. Par exemple, c'est le livre de la part de Cheikh Khulaini, livre Usul al-Kafi. Dans ce livre-là, beaucoup de hadiths et presque hadith dedans de la part de Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam, soit Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, les deux imams, le père et le fils, les deux imams, c'est les deux imams qui sont vraiment donné beaucoup de ilm à propos de cette religion et cette mashab là, mashab Shi'i Ahl al-Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. C'est connu imam Baqirul Ilm, c'est lui qui donne tout le temps, c'est lui qui partage le savoir pour tout le monde. Et après imam Muhammad Baqir, c'est le imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Mais le caractère bien du imam, c'est que tout le temps, quand il y a quelqu'un, par exemple, qui demande à l'imam, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes parmi des ulamas de Ahl al-Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam? La réponse d'imam, tout le temps, la réponse de l'imam, tout le temps, que lastu min juhaliha. Lastu min juhaliha. Imam, il ne parle pas que moi je suis alim. Non, non, ce n'est pas ça. Ou je suis savant de Ahl al-Bayt. Non, imam a dit lastu min juhaliha. Moi je n'ai pas l'ignorance. Cela veut dire, moi peut-être vous dites que moi ce n'est pas alim. Mais, alhamdulillah, rabbil alamin, on est là pour vous répondre, pour vous donner la réponse tout le temps. C'est ça le jawab. Et la réponse de l'imam Muhammad Baqir alayhi afdhalus salatu wassalam. Shahadat, moi je vous le disais avant, et hadith de la part de tous les imams, tous les a'imma alayhim afdhalus salatu wassalam, ma minna illa maqtulun ou masmoum. Ça c'est connu ce hadith-là. Presque les 12 imams, ils ont dit ça. Ma minna illa maqtulun ou masmoumun. Tous les a'imma alayhim afdhalus salatu wassalam, leur décès, ce n'est pas simple comme nous. Leur décès, toujours shahadat. Quand on dit décès de l'imam, on dit tout le temps shahadat et imam. Même Rasoul Khoda, quelquefois, on utilise le mot wafat. Wafat, ça c'est le mot simple. Rasoul Khoda, c'était shahid. Parce que beaucoup de problèmes, ils ont amené avec Rasoul Khoda. C'est shahadat et Rasoul Khoda. Shahadat et Rasoul Akram. C'est le mot shahadat. C'est ça le mot vrai. Il faut utiliser le mot shahadat imam de tous les imams. Tous les ma'soumin, ce sont des shahid, shuhada. C'est le mot shuhada, c'est pour eux, c'est obligatoire. Quand on utilise le décès de l'imam ou décès de Ahl al-Bayt alayhim afdhalus salatu wassalam, décès de ma'soumin, il faut utiliser le mot shahada. Le mot shahada. Dans notre Saint-Coran, le Majid, Surat al-Mulk. Surat al-Mulk, Allah tabarak wa ta'ala a dit tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah tabarak wa ta'ala à la main de Dieu toutes choses. Toutes choses à la main de Dieu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Dieu, notre bon Dieu aussi, il peut faire toutes choses. Ça c'est clair ça. Sans doute ça, Allah tabarak wa ta'ala, tout ce qu'il veut, il peut faire. Ça c'est clair pour nous. Mais le deuxième ayat, « Alladhi khalaqal mawta wal hayat »
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tabaraka wa ta'ala, notre bon Dieu, il a créé l'amour avant la vie. Cela veut dire l'amour d'abord, après la vie. C'est pour cela, nos imams, a'imma alayhim afdalu salatu wa salam, tout le temps, quand ils parlent de la mort tout le temps. Et ils sont toujours prêts de mourir. Ils sont toujours prêts de mourir. Et leur travail ici, c'était quoi? Ils travaillent pour la mort tout le temps. Ça, c'est A'imma alayhim afdalu salatu wa salam. Alladhi khalaqa al-maut wa al-hayat. Parce que, explication de la part de nos imams, c'est que la mort, pourquoi? Allah tabarak wa ta'ala, il a créé ça, pourquoi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour tester les gens, que qui fait bon acte et qui fait le mauvais acte. C'est ça la mort. Parce que s'il n'y a pas de la mort, cela veut dire adl ilahi, les justices de Dieu, il n'y a pas aussi. Na'udhu billah, na'udhu billah. La mort, on ne parle pas pour la vie, mais la mort d'abord, cela veut dire, ça c'est examen, imtihan, ibtila'a, c'est le terme coranique ça. Coran a dit, liyabluwakum ayyukum, qui parmi de vous qui fait le bon travail et bon acte et qui fait le mauvais acte. C'est ça, liyabluwakum ayyukum, ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ça, c'est le terme coranique. Et le imam alayhim afdalu salatu wa salam, surtout, imam Muhammad Baqir alayhi salatu wa salam, quand il parle à propos de la mort, c'est quoi? Le ashab alayhim afdalu salatu wa salam, les compagnons de l'imam, ils sont venus chez imam Yabna Rasulillah, imam Muhammad Baqir alayhi salatu wa salam, ils sont demandez imam mal maut, la mort c'est quoi? Exactement la mort c'est quoi? La vérité c'est quoi pour la mort? Imam a dit al maut huwa an-nawm allati ya'tikum kull laylatin. La mort cela veut dire quand vous dormez tout le temps. Vous dormez bon tous les jours, c'est comme ça, toute la nuit par exemple ou après-midi quelquefois on dort. Ça c'est la mort aussi. Mais le différent, imam a dit, le différent c'est que lakinnahu, lakinnahu, tawilun muddatuhu, cela veut dire le temps c'est un peu plus long, plus que le dormir simple. C'est ça la mort. La mort c'est examen quelquefois. La mort aussi c'est imtihan de la part de notre bon Dieu. La mort, c'est ibtila de notre bon Dieu. Mais ibtila, imtihan, c'est pourquoi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est qui fait le bon acte, bien fait ici, et c'est qui fait le mauvais acte. C'est ça la mort. Et shahadat a'imma alayhim afdalu salatu wassalam. Dans le shahadat imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam, Muhammad Baqir, il a fait beaucoup de jihad, beaucoup d'efforts. Pourquoi? Pour le chiite, pour que cette mazhab-là, ça reste tout le temps. Ces mazhab-là, ça reste tout le temps. Mais tout le ilm qu'il avait imam, il a donné à son fils aussi. C'est pour cela, le ilm de imam Muhammad Baqir, c'est transféré à Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de madhhab, je vous dis, et je répète tout le temps, et beaucoup de madhhab, et presque le madhhab, et tous les madhhab, ils ont pris leur ilm, leur savoir, de la part de qui? De Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Et Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, il a pris aussi son ilm, son savoir, de la part de qui? De Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam. Même notre ami les sunnites, le mazhab, le quatre mazhab dans le mazhab sunnite, leur ustad, leur professeur c'est qui? C'est l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam et Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam. C'est ça le ilm des imams. C'est pour cela le quatre mazhab, dans le mazhab sunnite, bon, on ne parlait pas dans notre mazhab, mais le sunnite, ils ont dit, ma ro'ayna, shakhsun
afdal min Muhammad al-Baqir et min Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salatu wassalam. On n'a pas vu quelqu'un qui est mieux et présentable et préférable comme imam Muhammad al-Baqir et imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Le quatre imams dans le madhab sunnite, ils disent comme ça. Cela veut dire Hanafi, Abu Hanifa et Maliki et Shafi et Hanbali même. Ils ont dit comme ça. Le hadith, il amène tout le temps que imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalam et imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, ce sont de meilleures personnes. Cela veut dire, on n'a pas vu quelqu'un meilleur et mieux plus que les deux personnes là. Pourquoi? Parce que leur ilm, leur savoir, c'est beaucoup. Ils ont donné tout pour l'islam. Ils ont donné tout pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour que le din ça reste tout le temps. Parce que leur ilm, vraiment, le ilm de Hazrat Ali alayhi salam, et ilm de Hazrat Ali, et le ilm de Rasul Khuda, et le ilm de Rasul Khuda aussi, le ilm Khuda. Cela veut dire Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné cette savoir-là, cet ilm-là, à Rasul Khuda, et Rasul Khuda, il a transmis le ilm aussi à Ahl al-Bayt, alayhim afdhal as-salatu wa salam. Même notre madhab, nous sommes tous chiites maintenant, chiites de l'imam Hussein, chiites de l'imam Ali, mais le madhab, notre madhab, le nom de madhab, soit on dit le madhab imami, soit on dit imam madhab Ja'fari, cela veut dire imam Ja'fari Sadiq alayhi salatu wassalam, il a pris le ilm là de la part de imam Muhammad al-Baqir alayhi afdhal as-salatu wassalam. De toute façon, shahadat imam, c'est le grand jour ça. Il faut pas laisser, parce que inna dhikrana dhikrullah, inna dhikrana dhikrullah. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, à propos de ça, il a dit zikr ahli bayt. Quand on pense toujours à ahli bayt alayhim afdhal as-salatu wassalam, ça que on pense à notre bon Dieu. Inna dhikrana dhikrullah, dhikr ahli bayt, c'est dhikrullah tabarak wa ta'ala, dhikr bon Dieu, et dhikr adouina, dhikr shaytan. Quand on pense ennemi de Rasul Khuda, ennemi de Ahl al-Bayt, cela veut dire que ça, c'est, on pense à Shaitan aussi. Na'udhu billah. Il faut penser à Ahl al-Bayt et on regarde leur hadith, c'est comment, leur acte, c'est comment, leur comportement, c'est comment. On prend petit à petit, c'est ça l'islam, c'est ça les chiites Ahl al-Bayt, alayhim afdhal as-salatu wassalam. Bon, je répète, shahadat Imam Muhammad al-Baqir, alayhi salatu wassalam. J'envoie nos condoléances à tous les mu'minins. Inch'Allah, pensez à regarder les hadiths des imams, regardez le comportement des imams, parce que c'est grand imam ça, le madhab, notre madhab, de la part de ces imams-là, avec son fils, imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum wa ahshurna ma'ahum. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa ayna hatta tuskinahu ardaka tawa'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم